Je t'explique un truc. Là, t'es allé trop loin. Et je vais te dire la vérité, frère. J'ai plus rien à perdre. Je suis au RSA. Tu fais des vidéos. Ou tu vas en faire une. Je sais pas encore. Je sais pas. J'ai pas fait encore. Ferme-la. Je vais faire un petit tour à Fren Mérogis et c'est pas grave. C'est pas Fren, c'est soit Fren, soit Fleury Mérogis. Ça existe pas, Fren Mérogis. Ah, qu'est-ce que tu connais, toi? Qu'est-ce que tu connais, frère? T'es un petit gosse de riche de Levallois-Perret, frère.
c'est vrai que j'appréhendais un peu le fait de venir en France avec Adé, parce que comme il est connu en France, il se comporte pas forcément de la même manière qu'il peut se comporter à Miami, parce qu'à Miami il est pas connu. Donc petit à petit il s'est éloigné de moi, j'ai pas trop compris. On vivait ensemble, on était dans la même chambre, mais il s'est éloigné de moi petit à petit en fait. Je le sentais un peu, qu'il parlait à d'autres gens sur son téléphone, il commençait à me dire je fais des journées avec mes potes, il partait avec ses potes. D'un jour à l'autre, il est parti à Mykonos avec des meufs. Et là, je me suis dit, c'est pas possible en fait, c'est juste pas possible, on peut pas continuer comme ça. Enfin, je veux dire, c'est inacceptable. Je veux bien avoir l'esprit ouvert, accepter certaines choses, mais il y a des limites. On s'est appelé et je lui ai dit que j'étais super déçue de son comportement et que j'étais déçue que ça se termine comme ça. Il m'a dit que lui aussi et que voilà, on pouvait rester amis en bon terme, etc. Ce qui ne va absolument pas arriver. On allait bien ensemble, franchement, on a passé très 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 bon moment. Et ça s'est terminé de cette manière en fait. Il y a plein de choses qui m'ont déçue par la suite. Voilà. En quelques jours, il avait rencontré une autre fille. Donc ça, je l'ai su très vite, hein. Je l'ai même su avant qu'il la poste sur les réseaux sociaux. C'était dans la même ville que lui et les informations tournent vite. Je vois là qu'il est avec une nouvelle meuf qui vient d'Australie apparemment. Il ne se lâche plus, il l'affiche. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter la relation tout simplement. C'est qu'au lieu de me dire écoute Léa, je pense que toi et moi ça doit se terminer, bah, il a tout fait pour que je le quitte en fait, mais il l'a pas fait de lui-même. Donc voilà pourquoi ça s'est terminé. Aujourd'hui, il est avec sa meuf d'Australie.